Eh bien salut tout le monde, c'est Whoopidoz et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aventure sur Slender the Arrival. Je n'ai rien fait en votre absence, nous reprenons là. Je rappelle que j'étais mort à 5 pages ou 6, je sais plus. J'ai vu dans les commentaires, il y avait deux personnes, mais bon, il y en a quand même qui m'ont bien aimé me voir flipper sur ce jeu. Et j'ai vu quand même qu'il y a eu combien, 13 ou 14 pouces verts. Alors moi personnellement je commence sérieusement à amasser les gemmes hein, sur mes dernières vidéos. Ça fait très plaisir. Alors nous avons celle-là, très bien, mais nous c'est pas ça qu'on veut. Nous on va faire du repérage. Alors comme d'hab c'est la maison. Donc là on voit qu'il y a ça. Alors je sais qu'il faudra passer en arrière. Attendez, je vais quand même baisser un peu le son de mon jeu. J'ai pas envie de faire une crise cardiaque, je tiens à ma vie. Donc bah elle est où la page? Ouais, c'est quand même problématique ça, qu'on ne sache pas où elle est. Normalement il y en a une à l'intérieur du bâtiment. Une à l'extérieur, mais ça à l'extérieur je suis moins sûr. Ouais, sans déconner, elle est où? Donc oui, parce qu'il faut impérativement prendre celle-là, parce que en général. Ah voilà, c'est là. Voilà, ça commence, putain de merde, il arrive l'enculé. Allez. Oh, j'ai déjà les poils qui s'irisent. Oh putain de merde. Ah d'accord, donc on fait les passages les plus chauds en premier. Putain de merde. Il a pas spawn sur moi là? Non, ça devait être le reflet de... Ah voilà la tente. Alors je vous jure, je le vois se téléporter sur moi. Mais je lui refais sa mâchoire. Hop. Oh déjà 3 pages, putain. Ce bruit, mais il me fait flipper encore plus quoi. Vous savez, c'est le petit. Alors il y a une page là. Putain l'enculé. Non, je t'ai pas vu. Calme ta joie, calme ta joie. Je t'ai dépassé, espèce d'enculé. Allez. Oh les chiottes, allez. Je vois pas où il est là. En fait, des fois je crois que je le confonds avec des arbres en fait. C'est pour ça que. Putain, le cabinet des chiottes. Alors je crois qu'il y en a deux de cabinet. Voilà. Déjà 5 pages, putain. Oh les mecs, là par contre ça commence à être tendu. Je crois que c'est le mot. Alors j'arrive à un endroit. Cet endroit, c'est une route. La route m'en... C'est bon, j'ai pas vu. Putain les mecs, 6 pages. Elle est dans quoi l'autre? Oh putain non les mecs, je sais où elle est. Je sais où elle est la dernière. Il a pas intérêt à me sauter dessus ce con. Non, je sais où est la dernière page. La dernière page, elle est à l'endroit où j'avais trouvé la première dans l'épisode précédent. Mais il faut que je retrouve encore la maison. Alors où elle est cette putain de maison?
Elle est dans, bah, dans le même truc environ, mais sauf que c'est en hauteur. Putain de merde. Alors c'est où? Oh merde, je suis dans la limite de map. Ce qui fait chier, c'est que des fois ils ont oublié de coder entre deux arbres pour passer, et ça c'est casse-couille. Putain, je sais où est la dernière. Elle est où? Elle est... Peut-être que c'est là-haut. Non mais ce que je sais, c'est qu'elle est en hauteur. Ça c'est... J'en suis sûr, mais à 600%. Non, non, ferme ta gueule. Ah, tu me fais peur. Elle est quelque part en hauteur, mais putain, il faut que je retrouve cet endroit. Ah, bon, écoutez, je vais suivre la route. Je crois que c'est le moyen le plus simple. Non, c'est pas cet endroit. C'est encore en bas normalement. La page, elle est... Je sais très bien où elle est. Il faut juste que je retourne. Putain, il spawn sur moi. Je pète mon écran. Allez, on continue d'avancer. On continue d'avancer. Voilà, alors elle est quelque part ici. Je me souviens, c'était... Elle est dans ces alentours-là. Alors, est-ce que c'est cet endroit-là? Non, là, c'est la route vers le Kawak. J'ai dit de la merde. Ah ouais, mais là ça fait pas là. Faut vraiment que je retrouve cet endroit. Voilà, donc là il y a les chiottes. Et là normalement je monte et il est censé y avoir ce que je pense. Alors c'est pas dans cet endroit là. En fait je sais pas à quoi ça nous sert dans l'histoire de... D'accord, putain non, j'ai fait le mauvais côté. Faut pas se retourner. Il est là, il est près de nous, il est près de nous, cet enculé. Allez, faut monter. Et là, pitié qu'ils aient codé les arbres là. Parce que ça me saoule si je suis bloqué dans un arbre. Alors, non, les chiottes. Je suis déjà allé dans les chiottes. Il faut retrouver cet endroit. Ah, non, c'est bon. C'est moi qui étais contre un arbre là. C'est pas du mauvais codage. Sachant qu'ils sont quand même pété le fion pour le faire ce jeu, hein. ils l'ont payé, c'est pas pour rien. Il y a eu tout. Voilà, là par... Ah, donc peut-être que c'est là. Non. Oui, non, non. Très bien. Mais putain, la dernière page. Allez. C'est pas elle là? Non, je t'ai pas vu. Allez. Mais non, je suis déjà allé là. Putain, j'ai tourné en rond, fais chier. Allez. Allez, on ne se retrouve. Ah, se trouve ce... T'inquiète, on t'a pas vu. Ne flippe pas, j'ai besoin de voir sur la caméra. Est-ce que c'est là ? Oui, non, oui, non. Putain, si ça avance comme ça. Non, c'est le même endroit de merde. Putain de merde. On n'a pas d'autre choix, hein. on va suivre tous les chemins, qu'est-ce que vous voulez? Et si on croise un autre... Et je sais plus où est l'endroit en fait, tout simplement. Fichier. Alors là... Je suis déjà allé ici, c'est la... J'ai fait les pages les plus compliquées d'abord, il me semble. Sans le vouloir, bien sûr. C'est vrai que là, j'ai absolument rien vu de ce qui s'est passé là. Ah!
Le point rouge. Est-ce que c'est là? Arrête, putain de merde. Oh putain, il me fait flipper. Et là, je suis sur la limite de map. Mais putain, comment je peux... Il devrait quand même y avoir un une indication. Je t'ai pas vu. Putain, j'ai failli lui rentrer dedans. Oh là, il me colle au cul. Ça va être très compliqué. Et je suis retourné au même endroit. Mais je suis vraiment pas doué. Elle est fatiguée. Putain! Oh, ce bruit! Alors, autant tout à l'heure il était pas à fond sur nous, autant maintenant il veut que ça là. Ce qui fait chier, c'est que dans la légende urbaine, normalement le Slenderman il s'attaque aux enfants et non aux adultes. Je suis pas allé ici. Allez. La page. Ouais. Ah. Il faut s'échapper. Non. Qu'est-ce que tu fous? Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Ouais, on court et on va se réveiller. Ouais, je vois. C'est vraiment la merde. Hein. Ah, voilà. On se réveille, il fait jour, et tant mieux pour nous. Par contre, je sais pas si vous avez vu un peu où est-ce qu'on est allé. On a dû faire une chute, là. Donc, on avance. Ah, d'après ce qu'on voit, on a plus trop de... Ah, il y a la batterie qui a diminué. Bon alors je vous dis, hein, tant mieux, là il n'y a rien, il n'y a personne, c'est impeccable. Ah non. Putain de sous-sol à la con. Oh non, c'est horrible. Ah, ce passage, il est horrible. Bon, par contre, encore une fois, graphiquement, c'est impeccable. Donc là, les mecs, il va falloir allumer des générateurs. Mais je pense que je vais essayer une première fois. On verra si j'y arrive. Et si j'y arrive pas la première fois, je vais faire une coupure, voilà. Mais pour vous résumer, là, il va y avoir une sorte de Jeff the Killer, mais qui est en réalité Kate. Ça va être très chiant. Alors, on va rentrer là. La porte va se refermer, normalement. Voilà ce qu'il va falloir faire. Regardez, vous voyez, il va falloir rallumer ces générateurs là. Mais attention, hein, c'est pas un seul générateur, il y en a 6 en tout. Et 6 qui sont assez chiants à trouver. Et après il va falloir s'échapper en plus, donc je vous dis pas la merde. Alors au départ ça ira, et après il y aura le Slender. Ce qui fait qu'on aura deux personnes au cul. Putain, je fais tout ça pour rien. Putain, les mecs, j'ose plus rien dire et c'est pour une bonne raison.
Mais ce qui fait chier en fait, c'est que quand on rallume les générateurs, et ben le courant ne va pas se rallumer. Break sensible. Oh putain, ça y est, elle est là. Elle est là, cette enflure. Putain, elle est là. Oh merde, merde, merde. Alors là, il y en a. Il y a un générateur là. Putain, allez. Ah! Oh voilà, ça faisait tellement longtemps qu'on ne t'avait plus revu, mon bon ami. Oh, tu m'avais tellement manqué. Mais ça sert à ça, les amis. Allez. Qu'est-ce qu'il nous dit, la flèche, là, d'aller en bas, mais... Ce jeu, il est pété, hein. Pas me retourner, les mecs. Oh putain, arrêtez. Je vous le dis, hein, j'ose pas me retourner, mais alors pas du tout. Ah! Oh merde, en plus je suis sûr qu'il devait y avoir un générateur. Non, faut y retourner. Je sais pas si elle va venir vers nous là. Putain, les mecs. En fait. Non, 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 va te faire enculer, va te faire enculer, va te faire enculer là. Haut et fort, va te faire enculer, voilà. Tout est dit dans cette phrase. Putain, j'ai fait ce détour pour rien. Oh, je te fixe. Elle va oser. Non, elle va pas oser. Les mecs, elle est prêt. Elle est proche, elle est proche, elle est proche. Où est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il faut aller à gauche? Mais le truc, c'est que j'ai peur de me faire prendre. Putain, je suis déjà allé là. Merde. Oh putain, les gars. Bon, on va s'en arrêter là. La vidéo est assez longue, je crois. Ouais, environ 18 minutes, je crois. Non, 19 bientôt. J'espère que ça vous plaît autant de me voir sursauter. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. Et si ça vous a plu, abonnez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. À la prochaine. Tchuss.